frère, nous sommes dans la communauté, hein, nous connaissons à Paris. Rêve pas, c'est pour me dériver en France depuis samedi, mais malheureusement, mauvais temps, frère, moi à Londres. Moi là, mon cher Yannos, demain soir, m'attend tout le monde à 8h pour nous parler de parole changement, parole nous et moi pile là, parole développement. Merci beaucoup. Des bassins versants pour 30 millions de dollars. Et Haïti pourrait devenir à ce titre l'un des premiers, si ce n'est le premier pays, à obtenir un projet d'adaptation dans le cadre de ce fonds vert. Nous sommes convenus d'accélérer en la matière le travail pour, en termes de travaux publics, en termes d'électrification, accélérer la coopération bilatérale qui permettra là aussi d'arriver à la réalisation de projets concrets. Haïti soutient fortement cette initiative. Et entend, au cours de sa présidence tournante de la CARICOM de janvier à juin 2018, œuvrer pour l'adoption de mécanismes sous-régionaux pour permettre aux États insulaires de mieux adapter leur économie, leur environnement aux effets du changement climatique. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes en train de travailler pour que le français, comme nous l'avons si bien dit, qui est notre langue officielle, soit en fait une langue, la langue de la CARICOM aussi. Et nous sommes en train de travailler pour que nos frères de la Martinique et de la Guadeloupe puissent participer aussi dans ce grand mouvement de la CARICOM, parce que la CARICOM, ce sont des pays de la Caraïbe, et je pense que la Martinique et Guadeloupe font partie aussi de la CARICOM. Poursuivons les informations avec le ministre des Travaux publics, Transports et Communications qui est revenu ce 11 décembre sur l'implication de son ministère dans la caravane du changement. L'ingénieur Fritz Caillot était l'invité du ministère de la Communication dans le cadre du programme hebdomadaire intitulé « Lundi de la presse ». Un extrait. Grand pile travaux que nous commençons presque dans tout pays. Si nous prenons par exemple au niveau du département de la Grandance, dans le département de la Grandance, nous constatons au niveau de Cafouza-Boka, Pestel, il y a des travaux de réhabilitation que nous commençons sous tout axe. Et de même, au niveau de Cafouchal vers Corail, il y a un pile travaux de terrassement, il y a un pile travaux d'ouverture de la route que nous avons fait. Élargissement de la route que nous avons fait. Et au niveau des IOA, si nous avons constaté, sous partie énergétique, là, il y a trois axes. Un axe, que nous avons dit, un système hors réseau, il y a un système mini-réseau et il y a un système réseau à lui-même. Le département du Sud, c'est côté que Caravane, les plus chital, font pile travail. Par exemple, et de l'aine commencé travaux, nous commençons avec revêtement 27 juillet 2017. Nous commençons dans rue que les roues d'ouverture qui sont perpendiculaires avec sa roue deuxième grand roue, les Rustinio Vincent. En termes de revêtement, nous faisons environ mieux que 25 km de route revêtue. Nous faisons, dans le niveau département du Sud-là, environ 123 km de route en termes de reprofilage et de rechargement. Nous gagnons 5649 mètres linéaires de route que nous avons fait. Ça veut dire 5,6 km. Dans 5,6 km, là, nous gagnons 2 km. 2 km en béton hydraulique et puis nous gagnons 3649 mètres linéaires. Ça vaut 3,6 km. Nous avons fait en béton bitumineux. L'homme dit béton bitumineux, c'est ça que fait asphalte là. En asphalte là. Donc, nous gagnons route Simon. Route Simon, hein, c'est route MEBSH là. Que nous avons passé là dans l'homme sous-ticance. Et l'Igalagame sur route nationale numéro 2 au niveau de côté de notre commissariat avant de rentrer bon, sur route nationale numéro 2 à traverser rivière. Actuellement, moi, pour m'a fait des interventions là-dedans et m'a intervenu sur 8 km. Sur 8 km là, déjà, moi, j'ai préparé environ 1,6 km. Je commence à mettre revêtement la donne parce que forme de zone ça, toutes les zones côté où nous mettons béton hydraulique, ce sont des zones inondables, côté de l'eau, pas de problème, nous ne pouvons pas mettre bébé. Parce que automatiquement, bébé, même pas de pression constatée, l'un fait une mise en place, bébé, automatiquement là, puis tomber. Si son zone qui est inondable, l'eau est censée emporter tout bébé. Donc, zone ça, son zone n'a fait et en
en béton hydraulique, même Jean Noël à Camperin. Camperin l'aime sorti dans zone ouest à côté de CNE, gien bail là et gien usine gravel là avec usine asphalte là. Pour après toute partie ça me fait en béton hydraulique parce que son zone qui est extrêmement inondable. Restons en compagnie du ministre des Travaux publics, Transports et Communications qui promet pour la fin de l'année la finalisation de plusieurs chantiers en vue de faciliter la circulation routière dans les communes où des travaux d'infrastructure sont en cours. Le ministre Fritz Kayo en a fait l'annonce alors qu'il intervenait dans le cadre de la 27e conférence des lundis de la presse. Le patron du MTPTC faisait un état des lieux de divers travaux en cours dans quelques communes du département de l'Ouest. Ces précisions. L'Ouest, les montagnes dans l'Ouest, n'a gardé ça où il est échangé que n'y ait nourri les viaducs de la marine haïtienne. Et son projet a commencé depuis environ 2014. À date, c'est fait environ 3 ans. Et moi-même, les montagnes là, son projet qui était censé au point mort, nous censé réactiver le projet. Donc, le Nabga des viaducs, ça, et ils ont porté de environ 32,50 m par 14,50 m. Et mon qui fait route Kafou, ou Abga des viaducs, là, on commencé avec lui. Avant 20 décembre, m'a bien coulé béton sur plateforme, nous allons aller à pont, en bas pour moi, pour nous passer. Mais c'est vraiment un vrai viaduc, c'est Nabga des lits avec plusieurs embranchements. Et la donne n'a pas avancé. Et au contraire, nous avons de plaques de béton préfabriquées parce que qui censé sous frontière depuis environ 2 ou 3 jours que entreprise a relé dit me bloquer donc moi relé ministre finance là moi relé directeur général du ministère des finances pour me dire ce projet ça a son projet prioritaire lié pour le gouvernement rapidement pour débloquer pour nous commencer mettre des plaques en béton pour nous faire rampe. Bon là cela début octobre, nous levons matin et puis nous regardons nous, yo population. Je me dis, pas même dit population, peut-être c'est des gens qui sont très loin. Dans ce moment, ils ont coupé 6 dallos. Ils ont coupé 6 dallos, ils ont mis le pouvoir dans une situation, non seulement il faut le prendre dallos, il faut le prendre chaussée. Ce sont des exigences qu'ils font. À date, nous avons déjà fait 5 dallos. Et nous reprenons. Il y a environ 700 mètres linéaires de route. Pas oublier, route ça, large, son route de environ 11 mètres de large lié. Donc, il y a 700 mètres par 11, ou en termes de surface, ça a représenté. C'est comme si je gagnais 2 routes, là, je dis que 700 mètres là, c'est comme si je gagnais 1,4 km, parce que route nationale à Gadea, c'est 3,50 mètres de chaque côté qui est 7 mètres. Donc, route ça, moi, je prends, on m'a dit qu'on y a pris le cafou. Nous t'avons suivi, ça fait depuis octobre jusqu'à le mois de décembre, nous remarquons que la route Kafou est impraticable. Son route qui était presque tout 4 départements dans le Grand Sud, là, il y a un pile problème, on monte qui saute dans le Sud, on monte qui saute Kafou pour entrer pour le Prince, ou là, n'importe pour 3 heures de temps, 4 heures de temps. À date, on a déjà fait environ près de 520 mètres. 520 mètres qui commençait depuis dans la zone Fédem Guillaume dans la première avenue. Donc, on voit que Mriville en plastique là. En plastique, c'est route où est, si route rentre, qu'elle sorti dans le bicentenaire. La permet, un, au monde, aux heures de pointe qui sont Kafou, de pour prendre axe dans le bicentenaire, ou capable de virer en plastique là, ou faire première avenue, ou monter par ouvrir la lettre, ou aller. Entre temps, m'a avancé, mobilisé sérieusement là, donc, sous. Partie qui borde de 4e avenue à Plastique, non, qui permet aux gens qui sont Kafou ou qui passer par exemple dans la zone Flambert ou passer dans Matisse 123 au Fontamara ou passer Matisse 101 et puis là, ou sauter 4e, 5e ou tomber dans 4e et pour descendre, là, ça n'a pas de problème. Les gens qui sont Kafou sont capables de faire avec ça. C'est sur ça ma broumé là pour me permettre pour m'assurer mon yo. Avant la fin du mois de décembre, 25-26 décembre, arrivé juste au Sénégal, là, m'a fini. Parlons à présent d'éducation pour faire savoir que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a présenté officiellement ce lundi le document expérimental du projet pilote du nouveau curriculum du préscolaire. L'objectif du nouveau curriculum est de favoriser plus d'attention et un meilleur encadrement des enfants au préscolaire, surtout dans les techniques d'apprentissage. Ce nouveau curriculum est en phase d'expérimentation
expérimentation depuis 2014. Il est financé par la Banque interaméricaine de développement. Suivez un extrait. Plan pour, en ce sens, de la formation pour les enseignants de ce niveau d'enseignement. Et ce curriculum vient donc à point nommé. À point nommé, dis-je, puisque le ministère vient à peine de se doter de deux documents. Le document d'orientation de la politique de formation des enseignants et des personnels d'encadrement et du plan de mise en œuvre de cette politique. Deux documents qui, dès cette semaine, précisément les 13 et 14 décembre, vont être soumis à la validation par les cadres techniques du ministère et acteurs concernés, par les causes de l'éducation, savoir les syndicats, partenaires techniques et financiers, réseaux privés de l'éducation, etc. Donc nous allons continuer à faire l'école, même si nous avons fait depuis longtemps, je dis à faut que l'on l'a fait autrement. Et surtout, là nous dit Timoun Piti, eh bien j'aime ce deal talé là, Timoun Piti, même c'est la base société, même j'en ai dit dans le discours, si on fait un caille chamotte, à plusieurs étages là-dedans, depuis en bas, pas bon, qu'elle a cadeau n'importe là. Donc je dis à c'est le sens à nous prendre. On nous commence par Timoun Pitio, par un bon genre d'éducation pour nous garder un bon genre de société demain. Une information triste qui domine l'actualité culturelle en Haïti. Mort de Joseph Emmanuel Charlemagne, connu sous le nom de scène Mano Charlemagne, hier dimanche 10 décembre en Floride aux États-Unis d'Amérique. Un décès survenu peu de temps après que l'artiste et politicien ait été admis à l'hôpital et placé sous traitement pour un cancer des poumons. Nos sincères condoléances s'adressent aux parents et amis affecté par ce deuil. Dans un tweet effectué depuis son déplacement en Europe, le président de la République, Jovenel Moïse, présente sa sympathie à la famille et aux proches de Mano Charlemagne qui, selon lui, aimait son pays passionnément. Le décès de ce chanteur engagé est une grosse perte pour le pays, particulièrement le secteur artistique, termine le chef de l'État dans son tweet daté du dimanche 10 décembre 2017. Poursuivons avec les informations avec le sénateur Francenet Denéus qui s'est prononcé ce lundi 11 décembre sur le dossier des 10 sénateurs dont le mandat arrivera à terme l'année prochaine. L'élu d'ANIP juge nécessaire qu'une entente soit obtenue sur cette question avec les sénateurs selon les normes électorales et constitutionnelles. Ces précisions. Gagnent de propositions et que l'Assemblée des sénateurs t'a fait par rapport à la question ça. Et normalement, la Constitution dit sénateur allié élu pour 6 ans. Mais nous, si nous appliquons 6 ans sur tout sénateur, eh bien, et Bral gagne un désordre. Et la question ça, et la Constitution dit sous le Sénat se renouvelle partir tous les 2 ans. Et Bral gagne deux mounes, soit qui Bral gagne mandat en plus, et gagne qui a perdu le mandat. Donc, consensus qui était dégagé dans l'Assemblée sénatoriale, c'est que et sénateur, deux sénateurs qui étaient élus en 2016, yo, premier a été élu pour 6 ans, et deuxième a été élu pour 4 ans. De telle sorte que, eh bien, en 2019, et sénateur Sayo, tiers sénat, yot a bral l'élection ensemble avec député yo et avec maire yo mkwe qui prêtait serment tout et en 2016. Donc ça t'a fait une élection dans VIA. Et là, t'a bral gen un amendement et constitutionnel. L'amendement constitutionnel là, nous t'a gantan ouais, et bien comment nous bral régulariser par la suite mandat de l'autre sénateur parce que gen yon kap fini en 2022 et gagne cap fini en 2023. Ça veut dire que tu as une élection en 2021, l'autre élection en 2022. Donc, en dans constitution, amendement constitutionnel là, nous capables de faire en sorte que nous faisons des aménagements pour permettre que d'ici 4 à 5 ans, eh bien, tout mandat est tombé dans la même l'heure et puis nous connaissons est-ce que nous avons fait une élection sous chaque 5 ans ou 6 ans et ou bien est-ce que nous avons une question eh bien, et 2 ans. Et tiers sénat. Et puis sachez que la commission éthique et anticorruption du Sénat de la République s'est entretenue ce lundi 11 décembre avec le ministre de l'Intérieur, Max Rudolph Saint-Albin.
Une rencontre déroulée autour du dossier de la disparition de 10 millions de dollars destinés à un projet d'éclairage de la commune de Capotille à partir de lampadaires. Le président de la dite commission, le sénateur Ronald Larèche, se dit satisfait de l'appréciation et de la considération dont fait l'objet ce dossier de la part du ministre Saint-Albin. Il nous en dit plus. Sur question de un projet lampadaire solaire qui t'a supposé exécuter dans la zone Capoti et ensuite tout gain ensemble des projets au niveau BMPAD, environ 40 projets et qui t'a gain des protocoles qui signent entre BMPAD et Mirio qui pas exécuté et nous t'ai invité ministre pour être capable gain des explications et gain des projets gain des films qui commencent à remettre cob au niveau BMPAD et gain des films tout qui dans marron et directeur BMPAD là t'a supposé là mais malheureusement pas là et sous question lampadaire solaire Capoti là et magistrat dit c'est pas lui même qui signe un projet là. Et film là même qui recevoir l'argent tout dit que c'est pas lui même qui signe des comptes là dans sens ça nous t'ai invité pour être capable gain des explications claires et ministre lui même il ban nous des explications et nous sentons satisfaits et gain des suivis qu'a fait pour que la justice lui même lui fait chemin lui dans lutte contre la corruption. Toujours dans ce dossier, le titulaire du MICT annonce qu'une délégation de son ministère sera très bientôt sur le terrain pour enquêter sur le dossier des fonds disparus. Max Rudolph Saint-Albin affirme que d'ici peu, le ministère de l'Intérieur aura à partager les trouvailles de son investigation sur ce dossier. Il précise. Nous-mêmes, nous venons là comme ministre, à titre de ministre de tutelle de mairie. Mais honnêtement, ce n'est pas un dossier qui vraiment intéresse le ministère parce que BMPAD, son protocole, d'après moi, dossier, son protocole qui gagne entre BMPAD, qui est censé gagner entre BMPAD et mairie. Et au fait, dans la pratique, au fait, Gélé, c'est BMPAD et en compagnie okay, que honorable sénateur a mentionné là tout à l'heure. Donc, je vous dis, hein, une fois que nous avons saisi de l'information, un minimum d'enquête que nous avons fait, que nous partageons avec la commission, hein, et nous proposons tout que rapidement nous dirigeons l'enquête par nous, puisque nous avons un cours supérieur des comptes et du contentieux administratif qui est déjà sous dossier. Hein, ULCC déjà sous dossier. Donc nous-mêmes, dès demain, nous avons une équipe de ministère qui pourra aller sur les lieux pour aller faire enquête pâle. Et nous prodiguer tout humblement des recommandations et à la commission. Hein, côté désormais, nous ne pouvons pas ennuyer la mairie pour nous dire passer un protocole d'accord avec l'autre instance, etc. Mais il faut impérativement que le ministère là au courant, d'une part, et d'autre part, que certainement, protocole, accord, n'importe ça qu'il signe, que vous validez comme ça doit par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ça, il n'y a pas en sortie de là. Et nous te baillons toute garantie, tant que j'en déjà fait dans l'autre cas, corruption, nous déjà fait, et là encore, depuis qu'il y a un cas de corruption qui est avéré, eh nous-mêmes, déjà, nous avons saisi la justice pour que suite légale soit faite correctement. Si il y a des gens qui pour marrer, qui ont marrer depuis qu'ils n'ont pas respecté la loi, depuis qu'il y a une fraude qui est avérée dans le dossier. Ça. À présent, sachez que le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Oknam Klamé Dameus, a rencontré ce lundi des responsables de commissariat à Port-au-Prince, des représentants de la circulation et de la DDO, dans l'objectif de prendre des mesures sécuritaires pour la période des fêtes de fin d'année. Ces mesures permettront de contrôler les différents points de la zone métropolitaine de Port-au-Prince tout en renforçant la présence policière sur les artères, assure Maître Dameus au micro de la télévision nationale d'Haïti. Nous gagnons de
les défis qui en face nous, puisque l'on a une société côté que gagne des actes de banditisme qu'a fait, la délinquance qu'a fait au quotidien, donc gagne une obligation pour la police et la justice pénale travaillent ensemble et faut que définir des stratégies ensemble qui va permettre que nous répondre avec tout défi qui gagne en face nous. Maintenant, c'est vrai, nous gagnons pour nous travailler au quotidien. Nous pas qu'à choisir des périodes bien déterminées pour la police et la justice mais ensemble pour le travail, mais nous connaissons nos périodes fait tout, vinn gagner une augmentation de la population et d'activité qui gagne dans la rue qui exige qu'on y a faut que nous gagnions un effectif qui est plus significatif, faut que présence là intensifier dans la rue. C'était stratégie pour nous te chita ensemble identifier qui zone qui exige présence là plus et qui gens nous pral arranger nous pour nous gagner contrôle tout espace et pour nous pas bailler en ken côté à en ken bandi qui empêcher pour population fonctionner normalement surtout dans période fête là et toute l'autre période cap venir. Donc c'est dans contexte ça je dis à il était nécessaire pour commissaire gouvernement DDO tout commandant commissariat pour être chita avec nous avec sentiment accord des autorités qui peuvent placer yo quel c'est ministre de la justice quel c'est premier ministre quel c'est directeur général de la police qui permettent que je dis à raconte ça possible. Et pour finir, sachez que la police nationale d'Haïti élabore un plan de sécurité pour les fêtes de fin d'année, a rappelé le porte-parole adjoint de cette institution, l'inspecteur Gary Desrosiers. Pour exécuter ce plan, un comité de coordination est constitué pour orienter les travaux des policiers, informe l'inspecteur Desrosiers au micro de la TNH. Gagné un plan qui est élaboré et je crois que pas trop longtemps, nos conférences, nous avons annoncé justement un plan de travail justement qu'a fait pour sécuriser le monde pendant la période fête là. Il est de coutume côté que c'est dans le mouvement ça, il y a pile diaspora qui a venu, il y a pile de monde qui a sorti Port-au-Prince pour aller à la famille. Nous avons une période très mouvementée et demandé justement en présence certaine de la police nationale dans les villes. Il y a un comité de coordination qui créé et qui a fait liaison tout, qui est composé de DDO qui est avec nous là, et DDO 1, de un commissaire principal qui est responsable arrondissement et SDPA, et il y a l'autre monde justement qui fait équipe et qui est dans l'équipe comité ça. Mission plan, c'est augmenter la visibilité des policiers dans les rues, côté que population capable d'identifier les policiers. Et nous avons demandé là tout collaboration population. Hein. À n'importe ça nous remarquer, pour ne pas hésiter, sans problème, venir dire policiers ça et les policiers ont fait suivi. Nous avons renforcé justement la sécurité dans le groupe axe routier et ça fait présent circulation là tout. Aéroport, boîte de nuit, centre commercial qui généralement bandit qu'on essayait d'imposer là pour que soient capables de faire mieux par son travail. Nous avons développé tout, une bonne relation, une proximité avec les commerçants et nous invitons justement les commerçants à porter justement collaboration dans ce sens-là parce que la mission nous c'est pour nous garantir mieux la sécurité. Nous avons sécurisé tout le marché public, par essence, local, radio et télévision. Et nous avons fait des patrouilles et des palpations même au niveau moteur. Nous avons une administration logistique justement qui est aménagé pour capable permettre que le plan ça atterrit. À savoir, moyens matériels, armement, équipement, véhicules, moteurs. Environ 2000 policiers mobilisés pour nous permettre que l'année ça passe bien, y compris les unités spécialisées, CIMO, UDMO, BIM, BOI, BLTS, SWAT, GATCOT et les commissariats avec appui de la MINUJUST. Et j'ai un commissaire gouvernement sur le palais là, côté que le commissaire gouvernement vient joindre nous justement pour nous capables de permettre que tout le monde passe en fête de fin d'année tout à fait exceptionnel. Et encore une fois, nous avons des collaborations, téléphone la police là, c'est 38 38 11 11,
38 37 11 11 et nous dit que nous avons capacité dans les prochaines minutes si gon problème dans zone pour que la police capable faire intervention. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine et excellente fin de soirée sur la télévision nationale d'Haïti. Au revoir.